Hello les stretchies, ici By Melly, ta copine de souplesse. Et aujourd'hui, je t'ai préparé une routine de souplesse pour les jambes, pour faire le grand écart facial, latéral, pour lever tes jambes comme ça, avoir de belles extensions, avoir des jambes souples. Petit détail, pense à avoir près de toi une briquette ou un coussin, parce qu'on en aura besoin. N'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en plus, en ce moment, je publie toutes les semaines une routine pour devenir plus souple. Alors, let's go! On commence debout, rentre le ventre dans les bras au niveau des oreilles et on va se pencher en avant trois fois avec un dos aussi plat que ta table où tu pourrais poser tes verres, tes assiettes dessus et manger sur le dos. Et on se relâche trois petites secondes avant d'attraper les chevilles et là tu vas plier et tu vas tendre, tu vas doucement, tu vas à ton rythme. On fait ça quatre fois, on n'est pas pressé. Quand tu tends les jambes, imagine que ton popotin, il veut vraiment toucher le plafond et va le plus haut possible. Redresse-toi tout doucement, la tête en dernier, on passe à la suite. On va faire encore une fois un dos plat, mais cette fois-ci en se dirigeant vers notre jambe droite. Pousse le nombril vers la cuisse, sors la poitrine et tu vas voir, ça va t'aider à aplatir le dos un peu plus. Tu n'as pas le dos plat aujourd'hui, si c'est pas grave, ça viendra avec l'entraînement. Et tu relâches et tu touches le pied si tu peux. Si tu ne le touches pas, c'est pas grave, tu as la version facile juste en haut. Surtout, respire profondément et détends-toi. Et comme tout à l'heure, on va plier et tendre. Sauf que cette fois-ci, tu vas seulement plier et tendre la jambe gauche. Encore une fois, tu vas à ton rythme. Maintenant, on met les pieds en parallèle, comme ceci, et on va essayer de faire un bisou à notre genou, ou du moins se rapprocher de notre genou le plus possible. Si ta tête ne le touche pas, rassure-toi, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir l'intention. Et on repart pour plier et tendre. Et là, tu vois, quand je plie, mes genoux, ils sont collés l'un à l'autre. Redresse-toi tout doucement et tu as deviné. On va faire la même chose de l'autre côté. On repart avec notre dos plat vers la jambe gauche. Pense toujours à pousser le nombril vers la cuisse, sortir la poitrine et surtout respire. Et tu souffles, tu relâches, tu touches le pied si tu peux, si tu le touches pas, c'est pas grave encore une fois. La souplesse, ça vient avec le temps. Et on reprend, on plie, on tend, cette fois-ci notre jambe droite. Comme tout à l'heure, on remet les pieds en parallèle et on se détend. On essaye de faire un petit câlin, un petit bisou à notre genou. Respire à fond. À chaque fois que tu souffles, il faut que tu sentes que tes muscles se relâchent un peu plus. Tu te détends. Et c'est reparti pour plier, tendre. Quand on plie, on essaye d'avoir les genoux qui se collent. Si on n'a pas le ventre collé aux jambes, encore une fois, c'est pas grave. Maintenant, prends une briquette ou un coussin si tu n'as pas de briquette. La fente avant, tu connais par cœur, on la fait souvent pour travailler notre grand écart latéral et c'est un exercice qui étire notre psoas. Respire à fond, pousse bien les hanches dans le sol. Imagine que tu t'enfonces petit à petit dans ton tapis. Et si tu peux, tu vas poser les coudes à côté de ta jambe. Si tu ne peux pas, essaye au moins de poser les mains. Je suis avec toi, tu gères. On est ensemble dans cette galère de souplesse. Hein.
Allez, tu prends la brique. Bon, là, tu vas pas m'aimer, mais bon, c'est un exercice qui est très très bien, très efficace. Tu vas mettre la briquette entre tes fesses et ton talon et je veux que tu pousses fort, 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 fort. Je veux que tu pousses cette briquette dans les fesses. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais je veux que tu pousses la briquette. Allez, juste quelques secondes, encore un petit effort et tu relâches, tu te détends. Tu attrapes ton pied si tu peux et tu essayes de le ramener vers les fesses. Là, tu vas sentir ton quadriceps. Et bien, tu sais quoi? On recommence avec l'autre jambe. Bah oui, on a deux jambes, il faut travailler les deux. On repart sur notre classique, la fente avant. Vérifie toujours que ton genou est aligné au talon, c'est très très important. Si on prend l'habitude d'avoir une bonne posture pendant nos étirements, ça nous permet de progresser plus vite et surtout de ne pas se faire mal. La fente avec les coudes, tu poses les coudes si tu peux, ou les mains si les coudes, c'est encore un petit peu difficile pour toi. Inspire, souffle, détends-toi. Et oui, tu l'as compris, on va reprendre la briquette et on va la serrer contre notre petit popotin. Si tu n'aimes pas cet exercice, sache que moi non plus. Mais si je le fais, c'est pour ton bien. Et le mien aussi. Et tu relâches, tu souffles, tu te détends. Attrape le pied si tu peux et ramène-le vers les fesses. Allez, je suis gentille, je t'autorise une petite pause massage, ça fait du bien. Et maintenant, on s'assoit, on écarte les jambes, on va travailler notre écart facial et pour ça, on va faire un bateau mais qui ne coule pas. Pour pas que le bateau coule et pour pas trop pencher d'un côté et perdre l'équilibre, il faut que tu contractes aussi tes abdos, ça va beaucoup t'aider, crois-moi. Et maintenant, on va faire un gentil câlin à notre jambe gauche. Le plus important, c'est de diriger le nombril vers la cuisse. Et rebelote de l'autre côté, évidemment, sinon c'est pas drôle. Super, tu peux te redresser doucement. Petite pause pour prendre ta briquette. Et oui, on va faire des levées de jambes. Je sais que tu n'aimes pas cet exercice parce que moi-même, je ne suis pas fan. Mais c'est important d'incorporer des exercices de souplesse active et dynamique pour progresser encore plus. Et puis un peu de renfo, ça fait pas de mal. Et on recommence de l'autre côté. Oui, oui, pas de jalouse, hein. Et si tu n'arrives pas pour le moment à passer la jambe au-dessus de la briquette, essaye juste de décoller le talon, ce sera déjà super. Et maintenant, tu vas te détendre et tu vas me faire le plus beau des pancakes qui existe. Tu peux prendre des coussins, une briquette, tu vois, tu mets ça sous la tête, ça te permet de te relâcher un peu plus et ça fait vraiment beaucoup de bien. Imagine que tu es à la plage. Je sais pas, imagine ce que tu vas manger ce soir. Et si tu me disais quel est ton plat préféré en commentaire, je serais très curieuse. Le fait de parler pendant qu'on fait des exercices de souplesse, ça permet de penser à autre chose. Hein. Tu peux relâcher, ça y est, et secoue, secoue, ça fait du bien. Maintenant, tu vas plier la jambe droite et tu vas tendre la jambe gauche. Et tu vas essayer de te relâcher sur la jambe qui est tendue. «
Super. Et maintenant, on change de jambe. Tu plies la jambe gauche et tu tends la jambe droite et on recommence le même étirement. Inspire et souffle quand tu veux aller vers ta jambe. Inspire, souffle, détends-toi. Bien joué, maintenant tu vas te mettre en pigeon. C'est une pose qu'on fait souvent aussi pour travailler les écarts latéraux. Donc tu mets une jambe devant pliée et la jambe derrière bien tendue. Là on va faire un pigeon qui s'envole. Donc tu mets les bras derrière la tête et tu te penches en avant et tu remontes. Oui oui, c'est presque de la muscu, je te le cache pas. Et là, tu restes, tu bloques, tu bouges plus. Juste quelques secondes, courage, courage. Yes! Et maintenant, bien évidemment, on va faire de l'autre côté. Et oui! Alors, tu te remets en pigeon, tu plies bien la jambe de devant, tu tends la jambe de derrière. Les mains derrière la tête. Et on repart, on s'envole pour 4 fois. Et maintenant, tu ne bouges plus quelques secondes. Tiens bon, tiens bon. Yes! Redresse-toi. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va faire le grand écart. Tu glisses, tu vas à ton maximum et surtout, tu vas à ton rythme. N'hésite pas à balancer d'un côté, de l'autre, de remonter un petit peu. Essaye vraiment de tenir ces 30 secondes. 30 secondes dans une vie, c'est pas grand-chose, hein. Et bien évidemment, on fait le grand écart avec l'autre jambe devant. Un petit conseil que je peux te donner, c'est de commencer avec la jambe où tu es le moins à l'aise, par la jambe la moins souple. Parce que comme ça, après, quand tu passes sur ta jambe la plus souple, déjà, c'est super satisfaisant, ça fait du bien, et puis t'as beaucoup moins mal. Essaye de faire les exercices de cette manière, en commençant toujours par ta jambe la moins souple, et tu me diras si ça t'a aidé ou pas. Relâche doucement et maintenant tu te doutes bien qu'on va passer au grand écart facial. Ben oui, on finit en beauté quand même. Et là pareil, on va tenir 30 secondes à notre maximum. Alors courage, respire, inspire et souffle profondément. Concentre-toi seulement sur ta respiration. Laisse travailler tes jambes tranquillement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, il faut un petit peu souffrir pour être souple, mais ça en vaut la peine. Tu peux relâcher, ça y est, et secoue, ça fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle routine souplesse.